Bonjour, je m'appelle Christine Ansa et je suis responsable de la comptabilité au diocèse de Meaux. Mon rôle en dehors de la préparation budgétaire, de la préparation des tableaux financiers et des tableaux d'atterrissage, du contrôle des comptes, de l'audit des comptes, est de former des bénévoles comptables à l'outil et aux règles comptables. Pour vous donner une échelle, un secteur paroissial peut comporter de 1 à 10 églises, en fait, sur leur périmètre. Je me déplace régulièrement dans les paroisses pour rencontrer les bénévoles comptables, les trésoriers également, pour connaître leurs besoins et leur apporter des solutions. En tant que responsable comptable, je manage 2 salariés, 2 comptables, donc confirmés. La première, qui saisit toute la comptabilité de la maison diocésaine et qui effectue les salaires. Et la seconde salariée qui gère également la protection sociale des prêtres, ainsi que l'ensemble du suivi comptable des pôles et des secteurs paroissiaux. Le principal intérêt pour moi, c'était la relation humaine. Pour moi, c'était fondamental de travailler en ayant un objectif humain et une relation humaine forte. Et ça, je l'ai trouvé ici, au diocèse de Meaux. C'est la réalisation des projets, en fait, des projets paroissiaux, des projets pastoraux et des projets diocésains qui sont les lignes directrices pour le fonctionnement de l'association. Aujourd'hui, nous avons 2 grands projets diocésains. Le premier, Saint-Colomban à Séris, pour un établissement scolaire, une église et un centre culturel. Et le second, à Chelles, pour l'église Sainte-Bathilde.